Ah, te voilà. Salut. Hey Marc, t'as pas trouvé mon petit book par hasard? Quel book? Bah, tu sais, celui qui a tous les photos préférées. Oui. Mais je comprends pas, je l'avais hier soir. Bah, hey, hein? Si tu l'avais hier soir, ce qui doit pas être très loin. Ouais. C'est pas le grand truc là-bas, là? Hein? Non, non, ça c'est le grand, je cherche le petit. Ah ouais, celui où il y a les photos de Cindy. Oh, Marc, il y a deux photos de Cindy en tout et pour tout dans ce book. Alors, le tiroir. Daniel! Daniel! Hein? Regarde-moi. Tu remarques rien? Ben non. Bah regarde mieux! Bah d'accord, c'est toi. Toi, mon book, toi. Ah non, j'ai pas ton book. Tu te peux être égocentrique à la fin. Tu remarques rien? Ben non! Ça, je pourrais mourir au milieu du salon, tu t'en apercevrais même pas. Hé! Hey. Ah. Ah oui, d'accord. T'as grandi? Non! J'ai mis des chaussures normales. Mais t'as des talonnettes. Oui, c'est ce que je dis, j'ai mis des chaussures normales. Avant, je mettais des chaussures plates, ça me rapetissait. Tandis que là, pas pareil, hein. Oui, bien sûr. Eh bien, bravo, Marc, bravo. C'est fou comme on voit les choses différemment quand on est grand. Puis je trouve ça beaucoup plus confortable, moi. Mais ça te gêne pas quand tu marches? Oh non, pas du tout, regarde. Allure sportive. Et tu crois pas que ça fait un peu... Un peu quoi? Bah non, 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 rien. Ça fait mode, tu veux dire? Ah bah ça peut, c'est la dernière mode, ça. Ça jette, hein. Bon, faut que j'y aille, moi. Je prends les clés de ta voiture. Oh, oh, oh! Pourquoi tu prends pas la tienne? Allez, au garage. Bah, t'as un accident? Ah non, non, t'inquiète pas. Je la fais repeindre. Le rouge, ça me plaisait plus. Ah bah ouais, là, je t'avais dit quand tu l'as acheté, hein, ça fait criard, le rouge. Tu vois que je t'écoute. Et tu vas le faire repeindre en quelle couleur? Vert pomme. J'ai fait mettre aussi 4 jantes chromées. Vert pomme avec les jantes chromées. Moi, ouais, je trouve que c'est plus discret. D'ailleurs, faut que t'appelles le garage. Pourquoi? Pour tes coordonnées bancaires, pour la facture. Ouais, j'y vais. Je passe, hein? Les filles, j'ai exactement 10 minutes pour éliminer les séquelles du couscous royal d'hier soir. Je dois accompagner Wendy à l'école, David chez la nourrice. Alors, vous m'excusez, mais pour la tarlotte, on repassera. Il faut que je me concentre, là. Salut les filles. Oh non, vous avez encore trop mangé, vous, hier soir. Comment t'as deviné? Quand Fanny s'acharne comme ça sur ma bicyclette, c'est que... Les filles, vous pourriez garder un secret? Ah, oh, tu nous connais? C'est quoi? Regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Un album de photos. Je l'ai trouvé dans la serviette de Marc. Il a dû l'oublier hier soir. L'album de photos de Marc, ça doit pas être bien passionnant. Non mais, attendez les filles. Je vous ai dit que je l'ai trouvé dans la serviette de Marc. D'accord. Mais ce n'est pas l'album de photos de Marc. C'est celui de qui? C'est celui de Daniel. Il y a plein de photos de lui dedans. Quelques-unes où il est en maillot de bain. Oh, il est craquant. Ah oui? T'as arrêté de pédaler, toi? Oh oui, oui. Ça y est, le couscous est descendu. Puis des photos de Daniel en maillot de bain, ça doit être rigolo. C'est marrant, ça. J'ai sûr que ça allait vous intéresser. Allez, montre! Doucement, tout de même. Il est beau, là. Sublime, mais vous avez vu ses jambes? Ah, si, avec les jambes. Attendez, il y en a encore d'autres. Regardez, là. C'est qui, ça, la grande bringue à côté de lui? Ça, c'est Cindy, sa copine. Enfin, je veux dire, son ex-copine. C'est vrai que vous ne l'avez pas connue, vous? Elle est pas mal. Ah, ben ça, on peut pas dire le contraire. Mais elle fait au moins 1m80, c'est trop grand, ça. Oh oui, facilement. Mais elle en jette, tout de même. Ah, pour en jeter, elle en jette. Et encore? Vous n'avez pas vu en vrai. Elle est beaucoup mieux que sur les photos. Elle est grande, distinguée, oh, beaucoup de classe. Bon, les filles, faut que je vous laisse, faut que je retourne à la réception. Charles est tombé malade. Gérard 2, c'est boulot aujourd'hui. Attends, attends, Gérard. Oui. Laisse-nous le book.
On remonte dans pas longtemps, on le rendra à Daniel. Ah bah ça c'est chic, les filles. Ah oui, ça va me rendre service, parce qu'avec le travail que j'ai, j'aurais jamais eu le temps de passer là-haut. Bah je vous remercie encore. Allez, au revoir. Évidemment, si c'est le genre de fille auquel il est habitué, ça va être dur pour nous. Attends, attends, regarde! Elle a pas une verrue sur le nez, là? Ah non, c'était une grain de poussière. Mais vous avez pas remarqué? Elle est grande. Très grande. Oui, alors? Et alors, si Daniel aime les grandes... Enfin, je dis pas ça pour vous embêter, mais c'est quand même moi qui ai toutes mes chances. Bon, je vais aller me changer, moi. Bon, eh ben, c'est pas de pédaler qui va me faire grandir. Mais attendez-moi, j'arrive. 21, 22, 23, 24. Oh, c'est pas possible, c'est du miracle, ça. Je les ai toutes. Non, je recommence. Salut, Gérard. Ah, bonjour, Marc. Tu sais, hier soir, tu as oublié un truc, là, dans ta serviette. Alors, non, non, que... tu me le donneras tout à l'heure. Ah, d'accord. Regarde. Tu remarques rien? Mais c'est vrai, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as grandi ou quoi? Ah, je vois, tu triches. T'as mis des talonnettes. Ah non, c'est pas des talonnettes, ça. Des chaussures normales. Avant, je mettais des chaussures plates, ça me rapetissait. Alors, comment tu trouves? C'est vrai que ça te change complètement. Hein? Ça te donne une toute autre dimension. Je te trouve même très séduisant. Hein? Ouais. Je veux bien t'avouer quelque chose. Oui. J'ai toujours un fait pour les hommes de grande taille. Ah bon? Les filles, elles sont là? À côté. Bah, je vais y aller. Et tu ne te changes pas, Marc? Non. Ah non, si j'enlève ça, je perds 10 cm, moi. Mm-hmm. Bon, allez, je vais retrouver les filles. Non, non. De toute façon, tu vas me prendre une serviette. Parce que tel que je te connais, dans 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas hurler pour que je t'en donne une. D'abord. Attention, Marc! Mais oui, mais... Lâche. Mais Marc, qu'est-ce qui vous arrive? C'est rien, il a trébuché, c'est tout. Non, je m'échauffe. Vous faites de la gym ici? La salle, c'est à côté. Soyez prudent. Ça, c'est bête, Marc. Elles n'ont pas eu le temps de voir que tu avais grandi. Fanny, c'est toi? Non, c'est Blanche-Neige. T'en as mis du temps à revenir de l'école. T'es passée voir Mère Grand? J'en ai profité pour faire quelques courses. Ah, t'as bien fait. Il y avait plus rien à manger dans le réfrigérateur. Ça s'est bien passé? Ouais, comme d'habitude. Vincent a râlé pendant tout le trajet en m'expliquant que tu étais une mère rétrograde parce qu'à son âge, il pouvait très bien aller à l'école tout seul. Wendy, que c'était pas la peine d'y aller parce que de toute façon, elle épouserait un homme très très riche qu'elle n'aurait pas besoin de diplôme. Enfin, la routine, quoi. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Moi, rien. Mais t'as des chaussures à semelles compensées? Ben oui. Et toi aussi. Oui, mais moi, je viens de les acheter. Parce que les miennes me faisaient terriblement mal aux pieds ce matin, alors... Et les tiennes, elles viennent d'où? T'as fait les poubelles? Figure-toi que je suis allée les chercher chez ma mère. Elles sont authentiques au moins, celles-là. Ah! Eh oui, ah. Après tout, c'est la mode. Oui, oui, c'est la mode. Et quand c'est la mode... Et puis maintenant qu'on sait que Daniel aime les grandes gigues... Monsieur Pambou... Ah, parce que toi, c'est pour ça que... Non, d'accord. D'accord, je crois qu'on a eu la même idée. Mais si Daniel aime les filles grandes, je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un petit coup de pouce à la nature. Un petit coup de pouce à la nature. En tout cas, moi, si j'avais pas eu l'idée d'aller les chercher, eh ben j'aurais eu l'air de quoi entre Magali et toi? Du naine. D'accord, mais tu m'as rien dit non plus, je te ferai remarquer. Justement, j'allais te le dire. Oh. Bon, allez, on va pas se fâcher. Non, c'est très bien, t'es très drôle avec tes chaussures. Tu t'es pas vue?
Et puis maintenant qu'on a rattrapé Magali, on est toutes les trois à égalité. Ça, c'est vrai. Bon, ma chérie, tu sais, ça te va tellement bien. Toi aussi, ma chérie. Tu devras mettre tous les jours. Oh, merci, ma chérie. Attends. Quoi? Et si Magali... Oh non, elle va pas en acheter. La catastrophe. T'imagines? Salut, c'est moi. Ça va? Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien? Oh non, non, rien. Mais on dirait que vous avez un peu grandi. Oh, juste un petit coup de pouce à la nature. On a été très sages, on a mangé beaucoup de soupe en ce moment. Oui. Juste un petit coup de pouce à la nature. Comment vous les trouvez? C'est la mode. Vous avez vraiment beaucoup de goût, mon petit Daniel. C'est toujours un plaisir de regarder ce que vous faites. Merci, madame Vimarinet. Non, non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup. J'ai dit à mon mari que, naturellement, il était hors de question qu'il fasse faire son affiche pour les serpillères Vimarinet par quelqu'un d'autre que vous. Ça, c'est très gentil, merci. Enfin, et puis... en dehors de votre talent, je ne vous cacherai pas que c'est très agréable de travailler avec un jeune homme soigné, bien élevé. Eh oui. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, dans ce milieu, on rencontre des gens, des marginaux, des dépravés. Et il y en a même, entre nous, des désaxés. J'en suis sûr. Je comprends. Mais il faudrait que vous puissiez me dire quel genre de fille vous voulez. Hein? C'est dommage, je voulais vous montrer une série exceptionnelle pour une pub sur des éponges. Mais je retrouve pas le book. Non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Nous avons là tout ce qu'il nous faut. Oui, oui, vraiment tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, vous voyez, il me faudrait une fille belle. Belle, bien sûr, mais pas trop. Non, vous voyez ce que je veux dire? Parce que cet étalage de chair pour vendre n'importe quoi, n'importe qui, ça me dégoûte. Oui. Il faut une fille belle, oui. Un peu sexy, mais... pas du tout vulgaire. Oui. Et bien habillée, c'est ça? Oui, oui. Une femme dont les serpillères Vimarinet, c'est... puisse être fière. Mais, et celle-là, par exemple, vous plairait? Hein? Enfin, en fermant le chemisier et en rallongeant la jupe, bien sûr. Mon petit Daniel, c'est vraiment un plaisir que de discuter avec quelqu'un qui est aussi intelligent, qui comprend les nuances. Eh bien, d'accord, je suis d'accord pour cette femme... Je suis d'accord. Excellente. Je crois qu'elle est libre en plus. On pourrait faire des photos d'ici un ou deux jours, si ça vous convient. Eh bien, ce sera parfait. Ouais. Salut! C'est moi. Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu, Jésus-Marie, mais tu m'as fait peur! Marc? Excusez-moi, madame Vimarinet. Oui. Allons, qu'est-ce que tu veux? Je m'en suis sorti par miracle. Tiens, là tes clés. Ça te fera un souvenir. Je crois que j'ai besoin d'un remontant. Oh, mais oh, oh, qu'est-ce qui se passe? T'as eu un accident? Et tu sais que je suis passé au bord de la catastrophe, hein. Heureusement, je m'en suis sorti sain et sauf. C'est essentiel. Mais alors, quel tonneau! Ouais, t'as fait un tonneau avec ma voiture? Pas un, trois. Heureusement, j'ai l'air d'acier, hein. Salut. Salut. T'en veux un coup? Oh non, 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 merci. Vous voyez, je ne bois jamais d'alcool. J'ai horreur de ça. Ouais, t'as tort, hein, parce que pour se remettre des émotions, il n'y a pas mieux, hein. On va parler de ça tout à l'heure, hein, Marc? Parce que là, on travaille, madame Vimarinet et moi. Ouais, je suis sûr que même machin peut attendre. Hein, tu peux attendre? Oui, oui, je peux même attendre, oui. Tu me demandes pas comment un accident, ça, pareil, ça a pu m'arriver? À moi, un as du volant? Non, ni dans quel état est ma voiture. On verra ça plus tard. Ah ben, elle est morte, hein. Mais c'est à cause des chaussures. Tu vois, regarde, les chaussures. Moi, je suis pas habitué. Alors, hop, j'ai glissé. Tu vois, sur la pédale de frein. Hein? Tu comprends? Hé, t'as vu? Comment elle a regardé les chaussures? Ça les rend folles, les filles, les chaussures. J'en étais sûr, ça. Remarque, il n'y a pas que les filles, hein. Les garçons aussi. C'est Gérard, la salle de sport, il a failli me sauter dessus. Gérard, c'est le patron de la salle de sport. Hein. Allez, prends une douche. Je ne voudrais pas que madame Ville-Martinel pense que tu vis avec un malpropre. Non, mais c'est pas possible. Non, mais attendez, c'est pas possible. Vous ne vivez pas avec Daniel. Ah bah si, depuis deux ans. Même qu'on partage tout. Hein, mon poulet? Sérieux, mais...
Avec un garçon, quelle horreur! Pas de tout ce que vous croyez, non? Ah bon, je ne crois que ce que je vois. Je ne resterai pas une minute de plus ici. Madame Vimarine, hein? Non, non, mais n'insistez pas. Vous me décevez beaucoup, monsieur Daniel. Naturellement, inutile de vous dire que vous ne ferez pas les photos avec nous. Je ne supporterai pas que les serpillères vilmarinais soient en contact avec des dépravés. Marc! Écoute, Daniel, ça sert à rien de faire la tête. Un accrochage, ça peut arriver à tout le monde. Un triple tonneau, deux ailes et le trois arrachés, et t'appelles ça un accrochage. Un gros accrochage, d'accord. Et si tu veux, pour me faire pardonner, moi je veux bien te prêter ma voiture en attendant que tu fasses réparer la tienne. J'en louerai une autre. D'ailleurs, à ce propos, il faut que tu penses à appeler le garagiste pour lui donner tes références bancaires. Ça peut attendre. Écoute, Daniel, c'est pas de ma faute, moi. Tout ça, c'est arrivé à cause de ces chaussures. Oui, tes chaussures, ma voiture bousillée et une cliente qui s'envole. Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, Madame Vimarine, quand elle a vu tes chaussures, elle a pris la fuite. Madame Vimachintru? Et pourquoi? Ben, tu me demandes pourquoi? Tu lui montres tes chaussures. Ensuite, tu lui expliques que tu partages tout ici avec moi depuis 2 ans. Mais elle s'est imaginé les choses, imagine-toi. Ah, tu veux dire qu'elle a cru que toi et moi? Ah, c'est trop drôle, ça. Ouais, mais moi, je trouve pas ça drôle de tout. Toi et moi? Quelle horreur. C'est exactement ce qu'elle s'est dit. C'est pour ça qu'elle est partie. Bah, écoute, Daniel, c'est quand même pas de ma faute si t'as une cliente qui a des idées étriquées et qui a été choquée par une simple paire de chaussures, quand même. Oui. Elle est un peu coincée, c'est vrai. Mais elle n'a pas tort. Elles sont ridicules, tes chaussures. Toi, tu dis ça parce que t'es jaloux, hein? Je suis sûr que quand les filles elles vont me voir, elles vont tomber raide folle de moi. Mais je croyais que tu étais descendu ce matin, le montrer. Non, ce matin, j'ai pas eu le temps. Mais j'y vais tout de suite. Et tu vas voir ce qu'elles vont dire quand elles vont voir ma nouvelle silhouette. Oui. En montant l'escalier, fais gaffe de ne pas... tomber. Maintenant qu'on ressemble à trois géantes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se débrouille pour rencontrer Daniel. Magali, je voudrais pas te vexer, mais ces chaussures pour toi, c'est un peu trop. Ah oui, eh bien moi, je ne trouve pas. Et puis au moins, je fais presque la même taille que Cindy, moi. Je serais plutôt d'accord avec Claire. Enfin, si tu veux être ridicule, c'est ton problème. Ne vous fatiguez pas, je garde mes chaussures à talons compensés. J'y vais. Marc. Bonjour. Bah, entrez. C'est gentil. J'espère que je vous dérange pas. Ah, mais on dirait que vous faites de l'effet. Oui, oui. Vous auriez pas un peu de sel? Daniel et moi, on en manque. Bougez pas, je vais vous en chercher tout de suite. C'est gentil. Alors, Marc, comment vous nous trouvez? Comme ça? Joli. C'est chouette, hein, cette mode. Les compensés, ça donne une allure. Allez, vous trouvez? Ouais. Vous aussi, vous avez des talonnettes? Ah non, moi, c'est les chaussures normales. Vous avez remarqué? Tenez, voilà votre sel. Vous pouvez le garder, on en a d'autres. C'est gentil. Bon. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir. Attention. Avec ses compensés. Voilà, c'est lui qui a été impressionné. Mais moi, quand j'ai vu sa tête et sa démarche, j'ai failli rester. On a oublié de lui rendre le bouc de Daniel. Oh, ah, c'est bête, ça. Ça, c'est bête, oui. Ah, oui, ça, c'est bête. Bon, bah, il ne reste plus qu'à l'appeler. On peut lui proposer de venir boire un pot en bas et lui rendre, non? Oui. Oh, moi, je dois halluciner, moi, c'est pas possible. Je les ai toutes. Il m'en manque pas une. Bon, c'est bien. Salut. C'est ça, je dois halluciner. Salut. Salut. Vous.
Vous voulez peut-être une serviette? Non, merci, non. Gérard. Mmh. On a juste rendez-vous avec Daniel. Si tu le vois, oui, tu lui dis qu'on l'attend à... la cafette. Merci. D'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu? On impressionne même Gérard. Il va craquer, Daniel. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec nos chaussures, on dépasse largement Cindy, enfin moi. Oui, même si on ne la dépasse pas, on la rattrape, ça devrait suffire. Les filles, on est bien d'accord. On reste toutes les trois assises et ensuite, hop, en même temps, debout. Comme ça, on sera à égalité. Ok, d'accord. Attention, le voilà. Bonjour. Ah, Daniel, bonjour. Bonjour. Oui. Tenez, voilà votre bouc. Merci. Je suis bien content de l'avoir retrouvé. Je me demande par quel miracle il s'est retrouvé ici. Je ne sais pas, c'est Gérard qui l'a trouvé. Vous étonniez beaucoup. Ah, je ne veux pas savoir. Oui, bien sûr. Elle est belle, très belle. Oui, on a jeté un petit coup d'œil. Qui ça? Eh ben, votre fiancé. Enfin, votre ex-fiancé. La Cindy, là. Ah oui. Cindy, ouais. C'est vrai qu'elle était belle, hein? Dommage qu'elle soit si grande. Pardon? Vous avez dit quoi, là? Rien, je disais qu'elle était belle, mais un peu grande, quoi. Vous voulez dire que vous n'aimez pas les grandes femmes? Oh non, alors là, les géantes, ça n'a jamais été mon truc. Tenez, on parle de Cindy. Avec quelques centimètres de moins, elle aurait été sublime, hein? Mais alors, avec son 1m80, elle manquait un peu de, comment dire, féminité. Ah oui. Et dire qu'il y a des femmes qui mettent des chaussures avec des semelles compensées pour se grandir. Vous vous imaginez? À qui vous le dites? Elles sont ridicules. Bon. Merci.